La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. Des phrases fortes et célèbres de feu le président Félix Houphouët-Boigny, initiateur de la Journée nationale de la paix, célébrée chaque 15 novembre en Côte d'Ivoire. Des messages forts, chantés par de grandes voix féminines de la musique ivoirienne. Chantal Taïba, Antoinette Conan, Aïcha Koné, Reine Pélagie, Monique Seka, Nayan Kabel à la Thérèse rendent hommage aux bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Houphouët-Boigny, c'est le père de la nation. C'est le papa de tout le monde. Et puis bon, c'est l'homme qui a prôné, qui a mis à nous les valeurs de la paix, l'amour du prochain. Et je crois que c'est la meilleure leçon qu'il nous ait laissée comme héritage, la paix. Parmi les artistes qui ont été inspirés par l'œuvre immense de paix du président Félix Houphouët-Boigny, on peut citer en bonne place Alpha Blondie. Il est bon, caméra Stanel, partisan de la paix, caméra Stanel. La voix d'or Baïs Pinto, grand nom de la musique Made in Côte d'Ivoire, fait également partie de ces artistes qui ne manquaient aucune occasion pour magnifier la paix prônée par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Foufou a dit, la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Foufou était tout, hein, homme de paix, homme de culture. Ces icônes ont toujours véhiculé dans leur composition musicale les valeurs de paix. Anoumé, mythique slow de Baïs Pinto, est un appel à la paix et au dialogue. C'est Anomé, comprenons-nous, comprenez-moi. C'est une chanson de paix. Hein. Ben Kadi, en duo avec Gadi Sely, titre culte.